This is a pretty special moment for us to be able to put these jerseys on, obviously at Mount Royal, but when we hit the ice as well. L'équipe professionnelle féminine de hockey sur glace basée à Montréal, l'une des 6 franchises de la Ligue professionnelle de hockey féminin, a publié hier une vidéo sur ses réseaux sociaux. Et Anne-Sophie, les utilisateurs se sont enflammés parce que la vidéo est en anglais. Oui, exactement. Vous venez d'en entendre un extrait, là, mais en gros, c'est une vidéo de 45 secondes en anglais entièrement où on voit les joueuses de l'équipe sur le Mont-Royal à Montréal qui s'échangent les chandails officiels de l'équipe. Et la voix que vous avez entendue dans la vidéo, c'est la voix de l'entraîneur Cory Cheverry qui fait un petit discours. Là, et on voit des sous-titres au bas de l'écran en tout petit qui sont en français. Et il n'y a pas de version francophone qui a été publiée avant ou après la publication de cette vidéo-là. Là, vous avez vu à l'écran la publication X. C'est seulement une publication et en anglais. Du moins, ça a été écrit, là, la description en français premièrement, mais dans la vidéo, comme vous l'avez entendu, vraiment seulement l'anglais. Les réactions ont été vives en commentaire, comme vous l'avez dit. Je vous montre à l'écran quelques réactions. Il y a la Fondation Équipe Québec, qui est une fondation là, qui a pour mission de favoriser, encourager, promouvoir les équipes sportives québécoises sur les scènes internationales, qui a écrit sur X que l'insensibilité de cette organisation envers les francophones est très décevante. Il y a aussi l'animateur Patrick Marsolet qui a dit « Je ne sais pas qui s'occupe du marketing dans cette équipe, mais envoyer une vidéo en anglais avec des petits sous-titres français, c'est une erreur que même les clubs majeurs montréalais ne font pas. Vraiment ordinaire. » Et sur le terrain, Pierre-Antoine, les réactions sont aussi vives. On a rencontré quelques Québécois qui étaient d'avis. Écoutez. Ouais, je trouve que ça aurait été bien d'avoir en français, moi, quoi, qu'il y ait les deux versions. Je veux dire, c'est sûr qu'au Québec, on sait que c'est la langue française qui est primordiale. Mais s'ils l'ont fait en anglais, il y a une raison. Tu penses que c'est quoi la raison? Je sais pas. Bien, c'est sûr que le Canada, c'est anglophone premièrement, là, ça c'est clair. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. Normalement, sa langue comme la publicité sera en français en premier et sera la traduction en anglais pour les autres provinces peuvent comprendre la publicité. C'est un manque de tact, en tout cas, à ce niveau-là. Au Québec, c'est au moins en français et en anglais, c'est pour avoir la langue, les langues, parce que au moins les deux langues. Et d'autant plus, hier, on a appris que la capitaine de l'équipe, c'est Marie-Philippe Poulin, donc une Québécoise francophone qui est à la tête de cette équipe. Donc, ça fait d'autant plus réagir, évidemment. Et là, il n'y a pas eu de réaction du côté de l'équipe pour le moment. Aucune réaction sur les réseaux sociaux, aucun commentaire. Mais on vous reviendra plus tard là, à savoir s'ils veulent s'exprimer là-dessus. Oui, en tout cas, on l'a bien vu. Ça fait jaser. Merci, Anne-Sophie. En effet. Merci.